Bonjour, je vais vous présenter donc Recrabille, notre nouveau jeu de billes. Donc Recrabille, illustré par Laura Dillet et créé par Billes&Mailles. Billes&Mailles qui est la dernière fabrique française de billes traditionnelles. Alors, quoi consiste Recrabille? C'est très simple. Dedans, vous avez 10 cartes, 16 billes traditionnelles et 10 défis. Et on va jouer aux cartes en mode défi. Donc Recrabille se présente sous forme d'une boîte, format tarot, donc très facile à transporter et à mettre dans un sac. Dans cette boîte, au format tarot, vous allez retrouver les 10 défis. Donc les 10 défis, donc c'est 10 cartes différentes. Donc ça va être des cartes épaisses, voilà, pour bien les manipuler. On va retrouver 7 défis traditionnels, on va dire, en jeu de billes, avec des niveaux de difficulté, vert, orange et rouge pour le plus compliqué. On va aussi retrouver le nombre de joueurs, la durée approximative et le nombre de billes dont vous avez besoin pour lancer votre partie. Et bien sûr, l'explication du défi. Et toujours donc un petit schéma qui vous présente à peu près comment se positionner. Et vous allez retrouver trois nouveaux jeux de billes. Il y en aura d'autres qui vont arriver après. Vous allez retrouver donc le mur, la cible et le tir. Donc ça, ce sont des nouveaux jeux de billes, toujours pareil, avec des niveaux de difficulté. Dans la boîte, donc il va y avoir ces 10 défis, mais vous allez aussi avoir 16 billes traditionnelles. Donc là, ce sont vraiment donc, ce qu'on appelle de la bille en terre, de la bille traditionnelle, donc fournie avec la boîte de Recrabille. Et puis avec tout ça, vous avez de quoi vous amuser partout en famille. Donc Recrabille est actuellement donc sur la plateforme de financement participatif Ulule. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à suivre le jeu, à contribuer et puis aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, Billes&Mailles, Concept Bois et Jeux ou Paille Édition, mais aussi sur LinkedIn, sur la page donc Gaël Moron.